Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi aujourd'hui, malgré les circonstances, et c'est ce qui m'amène auprès de vous, c'est voilà, utiliser évidemment le sport pour améliorer sa santé, mais surtout son moral par les temps qui courent. Voilà, j'ai personnellement été athlète de haut niveau, champion d'Europe de judo, champion du monde par équipe, et entraîneur national olympique. À un moment donné, je me suis ouvert à tout le spectre que pouvait représenter le sport, l'éducation, la santé évidemment, et puis la prévention des troubles, notamment à l'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis directeur exécutif de Sport Management System, qui permet aux entreprises de créer de la déconnexion au travail, mais aussi et surtout du lien social. Je vais d'abord vous présenter un petit peu les lieux. Je vais vous suivre tout d'abord sur la chaîne Facebook, si vous voulez faire des commentaires au sujet soit de la séance ou spécifier votre présence. Donc je salue la présence des collaborateurs des sociétés pour lesquelles on intervient. Donc je pense à Atos, Essilor, Aditech, Énergie éolienne de France, mais aussi Vanteo, et puis toutes les autres entreprises, Conférence des bâtonniers, SICA. Voilà, je vous remercie d'être présent. Je salue Marie, Mérem, Laurence, Mathias, Florin, Patrick, Majbat, Virginie et d'autres, Lydia entre autres. Voilà, bienvenue ici dans une salle qui a été aménagée provisoirement avec du petit matériel, mais que vous n'avez pas forcément. Je tenais à vous le présenter parce que c'est ce matériel qu'on amène dans les quartiers grâce au Chizen Sport Truck pour faire de la pratique auprès des jeunes qui n'en ont pas la possibilité financièrement ou qui sont éloignés du sport. Le sport, c'est aussi l'emploi. On arrive à créer de l'emploi pour des personnalités ou des personnes qui sont éloignées de l'emploi grâce au sport pour des métiers qui n'ont rien à voir avec le sport. Voilà, donc là, on a du petit matériel qu'on ne va pas utiliser volontairement pour vous montrer que sans rien, on peut faire de l'activité, même si on n'a pas d'espace. Donc, on va se priver de ces éléments. On a ici un TRX qui permet de faire des tractions. On a ici évidemment les serviettes et puis le gel antiseptique, un masque qui a été créé personnellement de façon artisanale avec du papier sopalin, et puis ici on a des terracors qui servent à faire de la proprioception, travail d'équilibre, qu'on amène aussi auprès des entreprises ou dans les quartiers. Je remercie au passage la société Actech qui nous a prêté gracieusement pour ses actions du matériel Kaiser qui est de très bonne qualité, et puis évidemment Terracor. Voilà, on a un petit message pour les lycées et les établissements scolaires où on intervient. On fait réviser les mathématiques grâce à ce tapis qui permet de faire des pompes, mais en même temps de travailler les additions, les multiplications. Voilà. Et puis un tapis qu'on ne va pas utiliser volontairement avec un petit medicine ball ici. Voilà, du petit matériel aussi, des gants de boxe, des petites haltères, mais qui ne sont pas forcément utiles. Je vais me replacer directement sur le portique pour pouvoir voilà travailler avec vous. Donc, compromis, on enlève le matériel, on repousse le tapis que vous n'avez pas forcément chez vous. Voilà, et on va utiliser tout simplement une petite serviette. Alors, petit symbole, c'était la serviette des Jeux Olympiques que j'ai gardée, les Jeux Olympiques de Londres, et qui va aujourd'hui nous servir de tapis. Le programme, donc le programme que je vous ai concocté, avec dans cette salle 3S que j'appelle salle sociale, sportive, solidaire, mais j'appellerai aussi cette salle 4S qui est une salle solitaire puisqu'on n'a pas le droit évidemment de pratiquer du sport en groupe, et donc j'espère que vous êtes seul face à la caméra. Donc il y aura du stretching obligatoire en début et en fin de séance, un travail de mobilité pour remobiliser les articulations, travailler l'amplitude articulaire, du gainage, du renforcement du haut, du tronc et du bas des jambes, et puis un travail cardiovasculaire pour celles et ceux qui n'ont pas assez travaillé ou n'ont pas eu assez d'intensité.
Je vous rappelle que le programme ne va pas s'arrêter là aujourd'hui. Je démarre ce programme-là. Mais il va continuer, notamment dimanche à la même heure avec Stéphanie, qui est aussi spécialiste de yoga et de cross-training. Donc, dimanche, il y aura à nouveau une séance de cross-training. Lundi, à nouveau une séance de cross-training. Mercredi, il y aura une séance de yoga avec Stéphanie. Et puis le dimanche suivant, évidemment, à nouveau une séance de cross-training. Alors pour certains, qu'est-ce que le cross-training ? Le cross-training, c'est une pratique transversale qui permet de travailler sur les 3 ou 4 qualités au niveau de la pratique physique. Donc on a la proprioception, la coordination, le renforcement musculaire, et puis évidemment le stretching. Je rajouterai le lien social, mais qu'on ne va pas aborder aujourd'hui du fait du confinement. Donc on va essayer de pratiquer de façon individuelle ou distancielle avec les outils qu'on a aujourd'hui à disposition. J'ai un écran de contrôle ici qui me permet de voir où on en est au niveau du suivi. On va démarrer sur le stretching de façon très très simple. Donc vous allez vous mettre ici à genoux avec une jambe en avant dans l'axe en fente comme on dit. Et puis on va pousser le bassin ici en avant en rétroversion. Qu'est-ce que la rétroversion ? La rétroversion, c'est la partie opposée de la cambrure. Donc quand on est cambré, on est en antéversion. En rétroversion, on va tourner le bassin vers l'avant et étirer le psoas iliaque. Le psoas iliaque, c'est un des muscles les plus longs du bassin, sinon le plus long, qui s'insère au niveau de la crête iliaque et qui va jusqu'aux côtes flottantes et qui permet évidemment de fixer le bassin. Donc on va travailler l'étirement de la partie antérieure du bassin et on va ici se mettre en opposition côté opposé, donc du côté de la jambe fléchie. Voilà, on reste comme ça 15 secondes. On va faire beaucoup moins d'étirements en début qu'en fin. Là, on travaille juste l'amplitude articulaire, très importante, notamment sur les positions de plus en plus sédentaires, au bureau, à l'écran, une position assise, non, aussi dans la vie sociale, personnelle, familiale, où on est souvent assis avec les canapés, les téléviseurs. Et donc ça permet de retrouver cette amplitude articulaire qu'on n'a pas et qui crée des problèmes de troubles musculosquelettiques, c'est-à-dire des problèmes de dos. On passe ici en arrière maintenant, on va basculer le bassin en arrière et puis on va étirer ici les ischio-jambiers qui sont cette fameuse grosse partie musculaire qu'on a derrière la cuisse qui s'insère au niveau du creux poplité du genou et qui vient s'insérer ici au niveau des fessiers. Donc c'est une partie très importante à étirer dans la vie courante, qu'elle soit professionnelle ou civile ou privée. Voilà, on va se redresser, on va ramener la jambe vers soi ici et on va pousser la jambe opposée du côté de la fenêtre en ce qui me concerne, en ce qui vous concerne, je ne sais pas. Et là, on va essayer de travailler l'écart facial, mais tout doucement avec une jambe fléchie. Une jambe fléchie et on va poser le talon sur la partie opposée. Et avec toujours la sécurité des mains, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner l'amplitude maximale, notamment pour les adducteurs. Voilà, on va pousser les jambes en arrière pour descendre un petit peu et redonner un petit peu de flexibilité. Voilà, on va revenir ici à genoux et on va étirer ici les avant-bras et toute la chaîne musculaire antérieure des bras en mettant les mains ici avec les doigts côté genoux. Alors ça, c'est un petit exercice qu'on faisait dans les préparations des équipes de France de judo parce qu'il y a beaucoup de schémas techniques où on prend évidemment la saisie. On saisit le judogi avec les mains. Il était important à chaque fois de bien tirer ses avant-bras pour ne pas être tétanisé, notamment au niveau des avant-bras. Voilà. Ensuite, on va enchaîner sur les épaules. Ici, qu'on va mettre à 45 degrés. Ici, on est à 90. Là, on va se positionner à 45 degrés et on va poser une main au sol pour ensuite, toujours pareil, se mettre en opposition, côté opposé du bras allongé. Voilà, on étire bien les épaules. On reste 10 secondes dans la position. Ensuite, on va se redresser, on va passer à l'opposé. On dit toujours vérification de la porte opposée, pour ceux qui ont pris l'avion, c'est un petit peu le cas. Voilà, on va se redresser à nouveau, on va écarter légèrement les genoux, on va se tapir au sol
Voilà, pour aller chercher le maximum d'amplitude au sol. Et on va essayer presque de toucher le sol en relâchant la partie lombaire, très importante. Voilà. Alors, de façon naturelle, on va revenir au côté opposé pour tout ce qui est ici, adducteur. Vous voyez que le talon est planté au sol ici. La pointe des pieds vers le sol, vers le plafond plutôt. Et là, on va bien descendre vers le bas. Vous voyez que le bassin se retrouve au milieu, il ne se retrouve pas ici sur la jambe, donc on va bien chercher l'écart, mais il n'y a aucun danger parce qu'on a une sécurité ici au niveau des mains, et puis ici une sécurité au niveau de la jambe, et on va pouvoir pousser un petit peu plus vers l'arrière pour donner davantage d'amplitude. Dans la même position, on va poser le genou, on va ramener le pied, on va pousser légèrement à l'arrière pour travailler cette amplitude de hanche qu'on a oubliée parfois. Voilà, on va se redresser à nouveau et là on va repartir sur la position opposée avec la jambe droite ou la jambe gauche en fonction de celle avec laquelle vous avez démarré et ensuite on va repartir à nouveau vers l'avant. Voilà, et on va aller chercher le côté opposé pour bien déverrouiller le buste, le bassin et le haut du corps. Donc on regarde vraiment à 90 degrés. Alors on se relâche, on respire bien. Ensuite, on va se relever. Ici, on va travailler, on va faire un petit travail de proprioception. J'ai bien optimisé le temps et les espaces pour la pratique. Vous voyez que là, pour l'instant, j'ai utilisé 2 mètres carrés maximum. Donc, on va utiliser cet espace pour faire de la proprioception. Donc, on va se mettre sur une jambe ici. Et on va essayer de ramener la jambe opposée avec le bras, la main opposée ici pour faire un petit stretching, toujours pareil, du psoas ciliac, le fameux muscle qui fixe le bassin, et puis faire un petit travail d'équilibre. Là, on commence déjà à se mobiliser. Voilà. Voilà ce que ça donne sur le côté. On peut même faire l'arabesque. Et en même temps, on peut faire un petit renfort sur les jambes, on travaille l'équilibre, la proprioception, le renforcement musculaire et le stretching. Donc c'est un mouvement qui est hyper complet et qui dans quelques mois, j'espère, vous pourrez le faire à 2, à 3, à 4. C'est un mouvement aussi qui est collaboratif. Donc on va passer à la jambe opposée. Voilà, et on va ramener le pied gauche dans la main droite pour ensuite fléchir la jambe tendue et travailler toujours renforcement, proprioception, c'est-à-dire équilibre, fixateur et petit stretching où le genou vient passer à l'arrière de la jambe qui est tendue. On peut faire le petit mouvement. Voilà, ce sont des exercices que je faisais beaucoup travailler avec les équipes de France de patinage artistique qui avaient besoin évidemment d'équilibre, de proprioception, ce qu'ils avaient déjà. Mais qui permettait de renforcer ou de s'échauffer sur cette partie-là. Maintenant, on va mobiliser le haut du corps tranquillement. Encore une fois, c'est les marques du judo qui me permettent de reproduire un petit peu ça. Que ce sont des mouvements qu'on faisait très jeune, quand on démarrait le judo à 8 ans. Des petits mouvements de déverrouillage du bassin. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors on dynamise le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repart en arrière. 1, 2 et on augmente l'amplitude. Très important. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va se balader un petit peu sur le côté. On va ramener le bras qui va venir enrouler la tête. On va écarter légèrement les pieds à hauteur des épaules, pas trop parce qu'on ne va pas pouvoir s'incliner sur le côté. Voilà, largeur des épaules. Et là, on vient étirer tout ce qui est intercostal, très important, sur un plan sagittal, c'est-à-dire vertical. Voilà. Et là, on va repartir de l'autre côté avec une belle respiration. Voilà. Alors là, mobiliser un petit peu le bas,
la partie abdominale, le haut. Maintenant, on va travailler les cervicales parce que cette partie-là n'est pas forcément utilisée toujours aujourd'hui, notamment avec les écrans. Donc, il est important de remobiliser les cervicales, éviter l'arthrose à 55 ans, par exemple, ou un peu plus tôt pour certains ou certaines. Voilà, donc toujours utiliser ce mouvement pour redonner l'amplitude articulaire qu'on a perdue. On a perdu à cause des modes de vie actuels, transport, automatisme, écran. Et là, on oublie tous les jours de mobiliser tout ça. Voilà, donc maintenant on est prêt. On va commencer notre petit programme qui va monter crescendo avec un travail de jambes, un travail d'abdos et un travail de épaules. Donc, sur la partie jambes, on va démarrer de façon très très simple avec des demi-squats. Sur la partie abdominale, on aura un travail dans l'axe et un travail de rotateur. Et sur la partie du haut, on aura travaillé en proprioception, mais aussi en dynamique, avec une partie stretching combinée avec des flexions de push-ups. On démarre sur les petits demi-squats que tout le monde sait faire. Alors, c'est à la fois très simple, mais il est important en même temps de respecter ces consignes-là. Pensez à garder les talons au sol, ça c'est important. On ne fléchit pas avec les talons en l'air, on ancre bien les pieds au sol. Et ici, on descend en demi-squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on pourra faire ça sur une jambe la prochaine fois. On va passer aux abdominaux. Donc on va faire encore une fois très simple. On va démarrer par de la course interne qui va permettre de fixer la ceinture abdominale. Mesdames, pensez au périnée, c'est très important de travailler la partie basse des abdominaux et pas uniquement la partie haute. Donc il est important de se concentrer sur cette partie basse pour bien fixer le bassin et travailler sur tout ce qui est fixateur au niveau des jambes. Donc on va se mettre sur cette position ici, jambes tendues, cheville flex, buste relevé, les mains ici sur les abdominaux et on va remonter doucement sur les 10 derniers centimètres qui restent pour en même temps étirer les ischio-jambiers ici et travailler en même temps la partie abdominale. Donc on fait ça 10 fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est un exercice qui est très important en prévention des troubles au niveau du dos, troubles musculo-squelettiques. On va passer maintenant sur la partie haute. Alors vous avez plusieurs possibilités selon votre niveau. Vous mettez soit de l'intensité, soit du rythme, soit vous restez sur une position tout simplement statique. On va commencer ici sur les avant-bras, où on se met en position gainage, voilà, ou en position gainage genou au sol. Donc, on a les deux possibilités pour ceux et celles qui n'y arrivent pas. Et on va commencer le gainage à partir de ce moment-là. Attention, on est parti. 3, 2, 1, top. Voilà, pour celles et ceux qui n'y arrivent pas, posez les genoux, serrez bien les fesses. Donc c'est un mouvement qui permet de travailler les fessiers et puis travailler les muscles profonds des articulations qu'on ne travaille jamais, y compris en musculation. Parce qu'on fait en musculation du volume, mais on oublie tout ce qui est fixateur des articulations. Et le gainage permet de travailler tout ce qui est fixateur des articulations. Voilà, on va passer ici sur le côté sans s'écraser au niveau de l'épaule, on va repousser l'épaule vers le haut et se mettre en position latérale où ce sont les fessiers qui vont maintenir cette position. Voilà, on serre les fessiers, on maintient la position. Voilà, alors je vais faire un petit demi-tour pour rester de face, on passe de l'autre côté. Finalement, on n'a même pas besoin de serviette. Ici, alors on reste un petit peu moins de temps sur la position latérale parce que c'est une position qui est beaucoup moins naturelle que les positions faciales ou de dos. Voilà. Ensuite, on va passer sur le dos ici. Alors, cette position-là est simple et en même temps un petit peu technique. On va ancrer le talon au sol ici et
tendre la jambe au niveau du genou opposé. Et on va lever le bassin. Ici, toujours pareil, hein, rétroversion, pas en antéversion. Donc on lutte contre la tendrure et on va maintenir cette position-là. Il y a un travail qui se fait au niveau des ischio-jambiers, ici. La partie abdominale, la partie dorsale. Donc c'est un mouvement qui est assez complet. Voilà, on va passer à l'autre jambe. Toujours pareil, on ancre le talon au sol, ici. Et on va monter le bassin. Alors vous restez le temps que vous voulez. Voilà. Et on va repartir sur position de face. Ici. Voilà. Et maintenant on va mobiliser le bassin. En arrière. 1, 2. On ne descend pas en dessous de la ligne des épaules. 3. 4. 5. 6. 7, on va aller jusqu'à 8. Et 8, hop, on passe directement sur le côté, comme ça on repose la partie abdominale. Par contre, là on travaille bien la partie des fessiers. Voilà, fixateur des hanches, très important. Et hop, on va passer de l'autre côté, ici. Alors, je commence à transpirer parce qu'il fait très chaud. Mais c'est à mieux, la transpiration n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Et voilà, ensuite on bascule un nouveau, ici. Et là, cette fois-ci, on va garder la position et l'alignement des genoux et on va uniquement basculer le bassin. 2, 3, 4 et 5. Alors, vous voyez que plus vous êtes ouvert au niveau de la jambe, plus ça va être dur au niveau des ischio-jambiers. Plus vous allez resserrer, plus c'est facile de monter le bassin. À vous de régler la position. C'est pas un appareil de fitness, mais il y a des réglages à faire aussi. Et c'est intéressant de les adapter. 4, 5, ok. On va repartir à nouveau ici, de face. Où là, on va gainer et en même temps mobiliser à nouveau le haut. Donc, vous connaissez peut-être cet exercice. On va passer sur les coudes et sur les mains. 2, 3, 4. Il faut bien se concentrer sur le bassin pour pas qu'il s'affaisse. Si vous avez des difficultés, vous posez les genoux, toujours pareil. C'est pas un souci. Voilà, on va venir ici. Et là, on va mobiliser le bassin de haut en bas, ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. 2, 3, 4, 5. J'en connais certains qui doivent se reconnaître dans l'exercice que je leur fais faire parfois, tous les vendredis matin notamment. 2, 3, 4 et 5. Alors maintenant, on va mobiliser les jambes, toujours sur la même position. Donc on est ici, là, le bassin en rétroversion, le corps est aligné, genoux, bassin, épaules. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'engueuler. Et là, je vais, dans cette position, monter la jambe avec la cheville flex pour faire un petit stretching en haut. 3, 4, 5, ok. Pour la première séance, on fait les choses de façon sobre, légère, mais après on pourra mettre de l'intensité. Voilà une petite dernière. On va revenir à nouveau pour le dernier tour, cette fois-ci au niveau des bras, où on va semi-fléchir les bras uniquement et garder la position. Soit les bras alignés, soit les bras décalés. Moi je vais les garder alignés ici. Et on va garder cette position là. 5 secondes. Une fois qu'on a fini, 5 secondes, on va monter la jambe opposée, toujours en gainage, rétroversion du bassin. 5 et on change. Vous voyez qu'on gagne bien le haut, bien le milieu. Et là, mesdames, les fessiers vont devenir très toniques. Et messieurs aussi. Ok, on va passer sur le côté. Même chose. On ne s'écrase pas sur l'épaule, on aligne bien épaule, bassin, cheville. Voilà, ici. Et on va monter la jambe doucement. On va faire un petit peu. 2, 3, 4 et 5. Hop là, on passe de l'autre côté. On serre les fesses. 1,
2, 3, 4 et 5. Et là, on va revenir à nouveau sur le dos. On va garder les deux pieds au sol. Vous voyez, ici, on va faire un petit mouvement de judo qu'on avait l'habitude de faire, que j'avais l'habitude de faire ici. Talon au sol, on va repousser le bassin une fois à gauche, une fois à droite, ici. Ce qui permet de récupérer du gainage. 4, 5, regardez bien, ici, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce mouvement-là permettait d'éjecter l'adversaire qui se retrouvait au-dessus et reprendre l'initiative. Sachez que en judo et même dans la vie, la position inférieure n'est pas forcément la plus faible. On est souvent plus fort sur le dos que sur l'adversaire. Voilà, je vous laisse récupérer un petit peu, boire un petit peu aussi. Et puis on va reprendre l'activité, et cette fois-ci avec du vrai renforcement. Toujours en position statique de gainage ou semi-statique ou dynamique, même avec le travail des bras, du bassin et des jambes. Voilà, à la vôtre. Moi j'ai préparé ma petite bouteille, ce qui fait très chaud ici. Un petit coup de gel hydroalcoolique, ça ne fera pas de mal non plus. Voilà, c'était une première mise en bouche pour le début de la séance. Maintenant, on va passer au plat de résistance. Renforcement avec un petit peu peut-être de cardio, je verrai selon mon état. Et après, vous mettez l'intensité que vous voulez. Pareil sur les push-ups, soit vous restez statique, soit vous restez dynamique, soit vous posez les genoux, soit vous restez sur les chevilles et corps aligné. Pareil pour tous les exercices, qu'ils soient du haut, du milieu ou du bas. Quand vous êtes prêt, vous me dites. Alors aujourd'hui, on ne va pas utiliser le tapis. En fait, c'est un tapis qui permet de battre des records de push-ups. Donc on fait plusieurs tours. Vous voyez qu'il y a 12 positions, c'est-à-dire 12 push-ups, avec évidemment la table de multiplication, 2x2, 2x3, 6, 2x4, 8. Et qui permet aussi aux jeunes, quand on va dans les collèges, lycées, établissements scolaires, de réviser en même temps les mathématiques en additionnant ou en multipliant. Et c'est un jeu qui est très ludique, parce qu'il n'y a rien de plus embêtant de faire les mathématiques sans savoir à quoi ça va servir. Donc le sport, c'est pareil, il faut savoir à quoi ça va servir. J'ai compris à partir de 2012 que le sport, c'était l'emploi, c'était l'éducation, c'était la santé, c'était la sécurité. Et aujourd'hui, c'est en fait en adéquation avec le confinement, puisque il n'y a rien de pire qu'un moteur pour les salariés. Il faut faire tourner ce moteur. Et j'ai souhaité mettre en place ces séances pour justement redonner envie, redonner de l'enthousiasme, redonner de l'espoir aux personnes qui sont confinées, et pas toujours avec une pièce comme ça. Donc pour expliquer que, voilà, en fonction de l'état dans lequel on se trouve, en fonction de la logistique qu'on a sous la main, on peut toujours faire de l'activité. C'est très important en ce moment pour le moral, parce que ça risque d'être long. On va repartir sur les jambes. Alors ici, on va faire un petit pas sur le côté, ici, et une flexion demi-squat. 1, 2, 3, respirez bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on va se mettre sur les fesses ici à l'équilibre. Voilà, vous pouvez rester sur la position ou faire un petit travail de rotation. 2, 3, 4, 5 comme un volant. 6, 7, 8, 9 et 10. Tant qu'on est au sol, on va enchaîner sur les bras ici. Alors, soit on fait des pompes complètes, soit on fait des petites pompes ou juste des petites flexions en statique, comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour ceux qui n'arrivent pas, on fait du gainage. 8, 9 et 10. Ok. On va reprendre la même position qu'au départ. Main dans le dos. Ici, on ne prend pas la jambe, on reste dans le dos. Là. Proprioception, renforcement. Pas de stretching pour l'instant. On descend. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, allez, allez, 8, 9 et 10. On passe sur la jambe opposée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repasse sur les bras, sur les abdos, pardon, ici. Et là, on va faire le petit travail de rameur. Voilà, toujours sur l'équilibre. Pour ceux et celles qui ne veulent pas faire de rameur, vous restez dans la position. Vous gainez bien au niveau de la partie périnéale. Et puis, vous gardez uniquement cette position-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe sur les bras. Ici. Alors là, on va faire un petit travail particulier. On se met sur les avant-bras, toujours en gainage. On va faire écart serré avec les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se relève. Ici. Donc, on a fait un petit travail de flexion, jambes arrière. Maintenant, on fait un petit travail de flexion, jambes avant. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on passe à l'autre. 1, 2, 3, 4. Allez, que là, on optimise vraiment l'exercice parce qu'on travaille aussi l'équilibre et pas uniquement la force des jambes. 8, 9 et 10. Ok, on va repartir sur les abdos. Donc, il y a trois exercices, on a fait les trois, maintenant on va repartir sur le premier. Ici, on se met en extension maximale, relevé du buste maximal. Et on va travailler avec la cheville, les chevilles flex, les 10 derniers centimètres, les fameux. 4, 5, 6, 7, 8, pensez au périnée, 9 et 10, on maintient. 1, 2, 3, il fait très chaud, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on passe sur les bras. Alors maintenant, on va travailler le haut. Alors, deux solutions. Soit vous changez de main ici avec le gainage du bassin ou une petite flexion ici ou une grande flexion. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, allez, 8, 9 et 10. Ok, on repart sur les jambes ici, toujours à deux jambes maintenant, cette fois-ci avec le premier exercice, enfin le deuxième plutôt, où on va chasser une jambe et fléchir. 1, 2, 3, allez, dynamique. 4, 5, 6, on utilise toujours 2 mètres carrés. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, 9, 3 quarts et 20. Ok, on repart sur les abdos. Deuxième exercice. Ici, abdos, rotateur. On prend le volant. On croise les doigts. Et on tourne. 1 et 2 avec le regard et la tête. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ensuite, on va repartir sur les bras. À nouveau, on va fléchir ici. On va faire des petites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on fait une crampe. Et 10. Ok. On fait une petite pause. Pause boisson, et après on va reprendre de façon un peu plus dynamique, mais plus court. Je vais vérifier si tout le matériel fonctionnait, je n'ai pas l'habitude de faire ce type d'exposé. Ça me change des conférences et au moins ça permet
d'être dans le pratico-pratique et le très utile surtout. Bien. Qui n'a pas récupéré? Personne. Donc on va repartir. Attention, dernier tour de renforcement. Après il y aura un travail cardiovasculaire qui sera court. Et après il y aura les étirements. Donc aujourd'hui on fait simple. Et pratico-pratique et relativement soft, on va dire. Mais dans tous les cas, vous mettez l'intensité que vous voulez. Donc, je retire ma serviette qui ne sert absolument à rien. À part pour les étirements. Hop. Je la remets en bonne place. Allez, on va redémarrer. 10 demi-squat, 10 flexions classiques. Alors quand je dis 10, souvent c'est 20. Ça, je ne vous l'avais pas dit. Mais c'est la période des soldes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, talons au sol, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vois quelqu'un qui fait la même chose à côté, je pense qu'il est connecté sur Facebook. On va faire travailler les abdos, rameur, ici on se regroupe, bras tendus, on se regroupe, et on tend et on tire les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, et on maintient. 1, 2, 3, 4, périnée, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on repasse ici. Coude au sol, écart serré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se met debout. Ici. Et on fléchit. 1, 2, 3, 4. Je confirme, le voisin fait vraiment la même chose. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on passe de l'autre côté. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comment créer du lien social à distance, ça c'est top. Alors on repart sur les bras, maintenant coude et main, d'accord, toujours en gainage rétroversion du bassin, comme ça, tac, on fixe et on monte sur les mains, on descend sur le cul. 2 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Et on continue. 1, 2, 3, allez, allez. 4, 5, posez les genoux si c'est trop dur. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On repart sur les jambes. Alors là, on va faire un petit pas chassé comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on accélère. 7, 8, 9, 10, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe aux abdos. Ici, sur le dos, course interne, jambes tendues, cheville flex, buste relevé. On va au maximum vers le haut et on travaille les 10 derniers centimètres. 2, 3, 4, 5, 6, allez pour le mental, 7, 8, 9 et 10, on reste. 1, 2, 3, 4, 5, allez les collaborateurs, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche et on repart au-dessus sur une jambe, dernier tour, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, on accélère. 9 et 10, on passe à l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on passe sur les bras. Là, c'est libre, vous faites le mouvement que vous voulez. Je compte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Posez les genoux si c'est trop dur. 6, 7, 8, 9, 9 et demi. 9, 3 quarts. 9, 50. 9, 55. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allez, allez, 16, 17, 17, 18, 19 et 20. Ok. Petite récup. Ah. Vous voyez ma tête avant la séance et maintenant. Ça veut dire que le sport, malgré la fatigue physique, fait du bien au mental. Et à partir de là, on se retrouve avec de l'enthousiasme, de l'envie, même si c'est provisoire, et de la volonté. La motivation, elle part à 90% du physique. La communication part à 90% du physique. Si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. On peut ne pas aimer aller au travail, mais on peut aimer aller au travail parce qu'il y a du sport dans l'entreprise. Et c'est sur quoi je travaille depuis quelques années. Vérification du matériel. Ça fonctionne toujours. Alors, j'ai besoin d'un petit message là. J'ai besoin d'un petit message. Matt Perumoto, est-ce que tu as bien travaillé, Matt Perumoto, mon sponsor pendant des années au Perreux. 150 avenue du 8 mai 45 au Perreux. Concessionnaire Suzuki, incroyable. Je vois Julien Nasser Dali, incroyable Nasser. Ancien pote du judo. Léa, Olivier. Olivier qui est au top. Super, je vois pas. Passeport pour l'emploi. Je ne vois pas passeport pour l'emploi. Bien. Ils doivent être là. C'est l'humilité qui les cache. Alors, on va partir sur un petit format cardio. Toujours pareil, sur 2 mètres carrés. Alors, pourquoi ce format cardio? En fait, il a une histoire. Comme je me suis occupé à un moment donné de pilote de Formule 1 et de pilote MotoGP, dans les mobilhomes, on n'avait pas forcément les espaces pour s'échauffer et faire monter le cœur. Sachez que les pilotes montent jusqu'à 160, 170 pulsations, notamment en Formule 1 sur les qualifications. Donc il est important qu'avant de démarrer les qualifs ou la course, ils aient déjà fait monter le curseur pour l'avoir fait redescendre après. Mais on n'a pas toujours l'espace, ni dans le box des pilotes, ni dans le motorhome. Donc je prenais un espace, tout simplement je faisais ce petit travail là qu'on va faire ensemble pour bien faire monter le cardio, pour pas que les pilotes soient surpris quelque part par leur physique pendant la course. Donc ça peut jouer des mauvais tours. C'est pour ça que en judo notamment on s'échauffe beaucoup, on fait monter le cardio, le curseur au moins une fois si c'est pas deux fois avant le premier combat, parce que parfois le corps réagit mal, tout simplement parce qu'il n'a pas connu cette phase très intense au niveau physique. Et ça peut, on peut perdre des combats et on peut perdre des courses juste pour ça. Donc on va se mettre, j'allais dire face à face. Donc on va juste faire un travail très simple que tout le monde est en capacité de faire. On va faire trois mouvements, je crois que j'en avais préparé un quatrième. Oui. Bon, bah écoutez, on va faire à l'est. Allez, on va d'abord monter les genoux. Vous allez me dire le chrono. Le chrono, je l'ai dans la tête. Je sais à peu près ce qu'il faut. Et de toute façon, on est dans l'adaptabilité aujourd'hui, dans les séances suivantes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de chrono volontairement. Et comme je fais la séance avec vous, je vois à peu près où on peut en être au niveau physique. Donc on y va. Petite foulée d'abord, ici, en utilisant les bras. Voilà, comme la course, tout simplement. Alors ça, c'est la préparation. Voilà, rien que ça, ça doit être élégant, normalement. Je ne sais pas si c'est mon cas. Mais surtout, sympa à faire. Voilà, les points des pieds décollent à peine. Et là, on va monter les genoux progressivement. Voilà.
toujours, hein, utiliser les bras. Ici. Allez, on y va, on part sur 10 secondes. Ok, on va relâcher, on va faire une rotation de bassin. Quart de tour, droite et gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 10. On va faire un petit travail de coordination droite et gauche. Deux pieds en avant, deux pieds en arrière. Un pied chasse l'autre. Voilà. On repart sur une petite récup. Très douce comme au début. Ici. Et c'est reparti. Allez, 10 secondes. Et rotation du bassin. On déverrouille tout. Ok, simulation, échelle. Pour les échelles de rythme, vous avez l'habitude d'avoir. Mais là, pas besoin, une fois qu'on a le mouvement, ça se fait tout seul. Et on repart. Allez, 10 secondes. Rotation. Je vous fais de côté, ce sera plus visible. Allez, on regarde devant. Dernier. Buste en avant, on ne met pas le buste en arrière. On travaille avec les abdos. Rotation. Travail de rythme, coordination, les bras, position de combat. Allez, allez. On relâche un petit peu, tout doux. Et on va finir par 10 burpees. 10 burpees ou 15 secondes de burpees à votre rythme. Vous pouvez en faire 2, 3, 4, 5, quand vous voulez. 3. 2, 1, allez, 2, 3, 4, 5, 6, on détruit le matériel, 7, 8, 9, et 10, ouh, ok, on récupère. Ça sera mieux. Petite boisson. Je récupère les petits commentaires sur mon écran de contrôle. Ah, passeport pour l'emploi est là. Ça, c'est une bonne chose. Nasser, au top, Nasser, toujours. Et Mathias, Laurence, Patrick, Florin, Majbat, secrétaire général de la Fédération Mongole de Judo, Marie, MRM toujours présente quand il y a des exercices. C'est formidable. On simule la prévention. C'est important pour moi de donner l'exemple. Parce que là, il y a sûrement des enfants, mais j'espère qu'il y a des enfants, beaucoup d'enfants, qui, au lieu de rester sur leur canapé ou dans leur lit, c'est pas non plus un gros mot, mais participer à un exercice physique, c'est quand même très très bon pour leur santé physique et surtout leur santé mentale. Aujourd'hui, on a entre 25 et 30% de capacité physique en moins pour tous les jeunes de cette génération par rapport à il y a 40 ans, c'est-à-dire ma génération. Ceci
lié au mode de vie moderne, un écran, une position assise, les moyens de transport, etc. etc. Donc aujourd'hui, le sport est devenu une cause de santé publique. Et les entreprises comme celles que j'ai citées, Atos et Silor, Groupe VMH, Conférence des bâtonniers, et toutes les autres, excusez-moi pour celles que j'ai oubliées, l'ont bien compris, parce que ça crée de la déconnexion au travail, ça crée de l'enthousiasme, et ça crée aussi, évidemment, de la productivité, au-delà de la partie privée, puisque là, on est sur la partie plus professionnelle. Voilà, on a aussi l'énergie éolienne de France, que je salue, Vanteo, Sika, et voilà, toute l'équipe que je salue, et j'espère que ça va aller pour eux surtout. On va terminer par les petits étirements. Là, je vais mettre une serviette pour le coup. Alors la serviette, elle sert uniquement pour les genoux. Après, pour le reste, il n'y a pas besoin. On va faire le même protocole pour que vous puissiez assimiler les choses tranquillement. Comme ça, une fois que c'est répétitif, ben, on le fait tout seul. Autant j'ai montré les protocoles à faire au bureau, autant ici, ben, c'est un espace plat de 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, 4 mètres carrés, puis on s'arrête. Donc on repart sur la même position, ce qui permet aussi de récupérer, on optimise le temps. Et on va partir en position opposée, en plaçant le bassin en rétroversion, ici, en poussant vers l'avant. Voilà, on déverrouille bien le haut, et surtout on regarde du côté opposé. Évitez de vérifier les toboggans, mais vous pouvez vérifier la porte opposée, comme dans les avions. Bon, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal par les temps qui courent. On vient ici en arrière, ensuite on met les fesses en arrière, on tend la jambe et on positionne juste les mains dessus sans appui. Voilà, et là on avance légèrement le buste vers l'avant. Voilà, doucement. Ok, vous voyez que c'est pas la peine de descendre à fond, il suffit de bien se positionner, même dos plat, et on arrive à un gros étirement de la partie postérieure des jambes. C'est cette partie-là qui pose des problèmes de dos. La chaîne musculaire va du talon jusqu'au bas de la nuque. Donc il est important d'étirer d'autres parties que celles qui font mal pour libérer justement les parties qui font mal comme le dos, qui est la première cause d'arrêt de travail la plupart du temps. Donc là on va ramener la jambe ici. Hop, et on va la positionner sur le côté comme tout à l'heure. Voilà. Là normalement ça va être très confort pour vous. Deux mains au sol. Rappelez-vous, le bassin est au milieu, il n'est pas sur la jambe, il est vraiment au milieu en fonction de vos capacités. Et puis on pousse le bassin en arrière tout doucement pour bien libérer la hanche qui est déjà libérée, je pense, avec les exercices, mais ça fait pas de mal et ça permet de mieux récupérer. Donc là on va garder cette position, on ne bouge pas le pied, le talon, on va poser uniquement le genou ici, là. Vous voyez qu'on est encore en écart. On va ramener légèrement le pied de la jambe qui était tendue. Ici, on va pousser les jambes en arrière. Ça, c'est un étirement qui ne se voit jamais, mais qui permet de travailler et libérer le bassin, les hanches, amis de la coxarthrose ou future prothèse de hanche ou arthrose de la hanche. Il ne faut pas trop insister, mais ça permet quand même d'avoir un peu plus de fluidité au niveau du bassin. Donc là, on va avancer à nouveau ici. Et on va avancer, plier la jambe opposée. Voilà, toujours pareil, on va garder une jambe tendue, une jambe fléchie. On va étirer le psoas iliaque, du mot os iliaque. L'os iliaque, c'est l'os du bassin. Et ce fameux psoas iliaque qui s'attache sur l'arête iliaque ici, jusqu'au bas des côtes. Voilà, on va changer. Ici, on va aller au plus près du sol. Voilà. Pose le bassin au sol, ici une jambe tendue, une jambe fléchie. Ce qui n'est pas désagréable, normalement. Si c'est trop dur, on va vous poser un coude tout simplement, mais il y aura moins d'étirement, notamment sur la jambe tendue. Là par contre, on va s'allonger un petit peu, on va tendre la jambe opposée, et là se remettre dans la même position, mais côté opposé. Voilà, pour bien étirer les adducteurs ici, qui a été quand même assez sollicité. Alors j'ai pas vu l'heure, je sais pas si on est dans les temps. Des fois ça dure beaucoup plus longtemps. J'ai des athlètes qui m'ont haï et qui me haïssent sûrement encore pour ça.
parfois ça s'arrête jamais. Ok, donc là on va se redresser doucement, on se met à genoux. Voilà. Alors c'est pas interdit de s'essuyer. Là on va repartir sur les avant-bras en position quadrupédique. La position quadrupédique est faite pour nous. C'est très important pour le dos. On libère toutes les tensions du dos en position quadrupédique, pour ne pas dire quatre pattes. Voilà. Donc il y a un relâchement du dos qu'on n'a jamais en fait, y compris sur la position assise, mais si on l'a dans ces cas-là, c'est pas forcément la bonne position. Pensez, position assise, arrêt de travail, pas de sport, arrêt de travail, sédentarité, arrêt de travail, productivité, sport en entreprise. Ok, je m'assois tranquillement. Voilà, je pose mes mains et là, je vais tourner la tête en essayant d'avoir le maximum d'amplitude côté bas et haut. Voilà, vous pouvez essayer de l'autre côté. Ça ne va pas changer votre profil anatomique, mais ça permet d'avoir de l'aisance. Si vous arrivez à marcher en équilibre, les yeux ouverts en faisant des rotations de la tête, ben c'est que vous avez un bon équilibre. On se remet en position, cette fois-ci de l'autre côté. J'ai entendu les fesses en arrière. On respire bien, on souffle et on relâche la tête éventuellement. Ici, je mets le profil, ça ira mieux. Là. Et là, je vais avancer en avant cette fois-ci. Toujours à l'opposé, je suis désolé, je tourne le dos. Pas bien. Et on avance bien le bassin en rétroversion. On n'est pas en cambrure, on est en rétroversion. Ici. Voilà, et on va se remettre à genoux cette fois-ci. Jambes relativement écartées, 90 degrés, ben on se met à 45 degrés. On va regarder la main fléchie ici. Voilà. On inspire bien et on descend. Chaque fois, essayez de bien inspirer avant chaque étirement. Ça donne de l'amplitude au niveau de l'étirement. Sachez une chose, c'est que la respiration profonde permet d'activer le système parasympathique. Système nerveux parasympathique qui, au-delà de la partie mécanique, permet de faire descendre le niveau de stress. Donc pour celles et ceux qui ne font pas d'activité physique, parce que l'activité physique est beaucoup plus efficace pour faire descendre le stress que tout ce qu'on peut imaginer. Mais si vous n'avez pas l'occasion, la respiration, momentanément en tout cas, permet d'activer ce système nerveux parasympathique et fait descendre le curseur du stress, notamment en travaillant la respiration abdominale qu'on ne sollicite pas ou peu, notamment pour dans les moments de tension importante. Donc il est important de réactiver ce piston qui est le diaphragme qui permet de travailler la respiration ventrale au-delà de la partie haute, notamment pectorale au niveau du buste. Voilà, maintenant on va écarter les genoux, on va se mettre le plus bas possible, on va essayer de pousser le sol. Voilà, ici, on va essayer d'aller le plus bas possible. Alors j'ai appris cet exercice parce que dans ma ferme, j'ai fait des agriculteurs, il y avait des barbelés. Et j'ai quelques cicatrices encore de ces barbelés. Et donc il fallait apprendre à descendre très bas sous les barbelés pour pas déchirer les habits ou se faire des déchirures au niveau de la peau. Donc j'ai appris ce mouvement très très tôt, par nécessité. Hop là. Mais écoutez, voilà, c'était la première séance, alors pas la dernière. Sachez que ça sera tous les dimanches, lundi, mercredi. Sachant que dimanche, ce sera Stéphanie qui sera en place. Pas ici, mais dans un environnement qui sera le sien. Lundi, je reprendrai le flambeau. Et mercredi, Stéphanie à nouveau pour du yoga. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de yoga. Donc ça sera mercredi et puis ensuite on reprendra dimanche à nouveau. Donc lundi, mercredi et dimanche, séance de sport pour voilà, se mobiliser, retrouver.